بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله اليوم كورة الأولى يكون ريزيرفي بور لي باز دوني. Alors, donc on s'est arrêté sur les views. Donc on va détailler, si vous voulez, les procédures stockées. Comment créer une procédure stockée. Par la suite, je peux même la modifier. Je peux même la supprimer. Et vous verrez comment exécuter cette procédure stockée. Et d'ailleurs, on va quitter là, on va trouver le bureau d'IANA. Et on trouve le support de cours. Je demande le support de cours. Et on va lire ensemble les procédures stockées, la définition. Une procédure stockée est un ensemble d'instructions SQL précompilées, stockées dans le serveur de la base de données. Alors, la question qui se pose, quels sont les avantages d'une procédure stockée? Il existe plusieurs avantages. Parmi les avantages, il y a la rapidité d'exécution, la clarté bien sûr de code, facilité de débogage. Par la suite, la réutilisation de la procédure stockée, c'est-à-dire que je peux même l'utiliser plusieurs fois, la possibilité d'exécuter un ensemble de requêtes de type SQL, prévention d'injection SQL et modularité, facilité du travail d'équipe. Alors, comment créer la syntaxe de la procédure stockée qui est la suivante. Alors, create or alter procédure stockée. Soit je vais la créer, soit je vais la modifier. On a tenté le nom de la procédure proc, c'est-à-dire procédure, le nom de la procédure. Quelle procédure? Par la suite, je dois définir un nom, procédure name. Je dois passer par des paramètres et à l'intérieur, je dois mettre as. Parfois begin end pour mettre bien sûr des instructions ou bien des commandes de type SQL. On a un exemple. Donc l'exemple que je prépare ici, il s'agit tout simplement d'un procédé qui permet d'insérer les données ou bien des enregistrements dans une table. Alors vous voyez là, j'ai mis le create procédure insertion étudiant. Alors tu as les parenthèses, l'ouverture et la fermeture. Ou là tu as les variables. هذه variable اللي عندي هنا راه عندهم علاقه مع لي شون دو لا طابل ايتيديون اكزومبل شاك variable plus qr server تبدا باروبا بينون varchar 20 اروبا بي بينون varchar 30 اروبا بي سالير سي مونيتير اروبا بي كود سي شار 3 از وهنا تستعمل بيجيني اند وهنا تعطي لا كوموند انسير انتو ايتيديون dans les champs nom, prénom, salaire, code, values, je vais insérer le contenu de la variable arroba pay nom, arroba pay prénom, arroba pay salaire et arroba pay code pay. And, alors pour exécuter une procédure stockée, ça me exécute insertion étudiant, just list, où on a besoin d'initialiser les variables, c'est-à-dire les données. Arroba pay notre atout le ism, le prénom notre atout dans la même chose, le salaire et pécote. Alors finalement, les informations seront envoyées directement vers la table étudiant. Et donc, vous voyez, il y a déjà plusieurs exemples à exécuter. Nous trouvons ensemble l'exemple, c'est-à-dire, on va même devoir la procédure stockée. Alors j'aimerais bien sûr de créer là, on va se voir de la table, et puis maintenant les champs, le nom, le prénom, le salaire et le code. Code personnel. Ok, alors je vais réduire. Et je lance directement SQL Server. Alors, on commence par la création de la base de données. Create, database. Non, la base de données, c'est base. Base objet SQL Server. Les objets, il y en a parmi les objets qui les view, qui aussi les procédures stockées. Alors, objet Go. Par la suite, use base objet SQL Server.
Je vais tester une chose, d'accord, vraiment, mon chat, tout va bien, ça c'est sélectionné. Je vais exécuter. Et tout va bien. Sélectionner, exécuter. Alors, je dois cliquer avec le bouton droit, la flèche, il est actualisé. Il est la base donnée. Alors, je vais chercher. Alors, si je cherche, je trouve directement le, voilà, base, objet, et objet SQL Server. On va créer la table. La table, on s'est mis étudiant. إذا ما شاءنا الكور ديالنا إذا عندنا واحد لاطاب سميتها إتيديال يكون فيها لو نو لو برينو سالير طبيعة الحال لو كود هو سي لاكلي لاكلي بريما إذا نو برينو سالير إي لو كود بي دونك جو روتورن بور فيغ لا كرياسيون دو لاطاب لي كريت طابل إتيديون لوفرتور la fermeture. Et dans code P, c'est SHA-3. C'est une clé primaire, c'est primary key. Le nom, c'est varchar. C'est compte. Prénom. C'est varchar 50. Et salaire. Avec le salaire, c'est monétaire, c'est money. Et là, j'ai créé là. Il donne le code de création, mais plutôt la commande qui permet de créer la table étudiant. Sélectionner. Et je vais exécuter. Pour le test, bouton droit, actualiser. Alors, je vais éteindre, bien sûr. On est. Eh bien, on a réussi à créer la table étudiant. Il fait le code P, primary key, trois caractères, le nom, varchar 50, prénom varchar 50 et salaire c'est monétaire. Donc, on comprend là la procédure stockée. Donc, là, pour créer une procédure stockée, déjà le guide daily, alors je peux même recopier. Alors, on vient directement, on va créer une procédure. Bon, étape par étape, c'est mieux. On va créer. Procédure, proc. On se met insertion. Alors, insertion étudiant. Idem pour là de la procédure. Explication, j'ai dit là, le fait de retaper la création create procedure proc, donc c'est avec M là, je m'occupe. Le nom de la procédure, on dit l'ouverture de la fermeture. Pourquoi? Je nomme les variables de la procédure stoppée. Et donc pour les variables, la procédure que ce soit mieux, que ce soit M là, l'ouverture de la fermeture, alors les parenthèses, la fermeture. Alors, pour les variables, là, j'aurais besoin de faire la première déclaration. On retourne vers notre guide. Alors, on va bien sûr l'ordre, si vous voulez, des champs. Il y en a dit le code, le nom, le prénom. Par la suite, le salaire. OK. Et on a pour compléter. Alors, arroba, A commercial, P code. C'est comme P veut dire comme un paramètre. Arroba. Le code, c'est char 3, virgule, arroba, le A commercial, pays, non, c'est var, char, 50, virgule, arroba, pays, prénom, c'est var, char, 50, et A en bas, P, salaire, c'est monétaire, money. Et là, j'ai terminé la première partie de ma procédure. OK. Là, create procédure, smid la procédure, sous toutes les parenthèses, d'ouverture la fermeture, on a déclaré les variables. Donc, voilà la deuxième partie. Et là, je vais le guide DNA. OK. Pour notre guide, je suis là. As begin end, c'est-à-dire as begin end, je dois préférer la commande
bien je dois intégrer la commande, si vous voulez, d'insertion des enregistrements de la table étudiant. Donc voilà, c'est très simple, c'est begin, as, begin, donc as, begin, et int. Entre begin et int, c'est la commande insert into étudiant. Le système ici a dit la frappe, ou un art, il a les champs. Code, virgule, le nom, virgule, prénom, virgule, et le salaire. Alors, values. A des valeurs liées en jiboum. Values en jiboum, arroba. Le code, virgule, le arroba, prénom, virgule, le arroba, paye, prénom, virgule, et le arroba, alors paye, salaire. Je ferme les parenthèses. D'abord, je fais l'exécution. Et donc, je vais exécuter la procédure. Et donc, create procédure, sélectionner. Et je vois si tout va bien. Et donc, c'est bon. Alors, je vais retourner pour actualiser. Fresh. Alors, normalement, on doit chercher, voilà, notre procédure. Donc, il est intégré, bien sûr, dans alors, procédure stock. Ici, vous trouverez straight procédure, ou là, le nom de la procédure, OK? Actuellement, la procédure, elle est créée, c'est-à-dire, c'est fonctionnel. Tout ce qu'il nous faut, c'est faire l'exécution de la procédure. Et là, je vais retourner, oui, non. C'est pour dire non. Pour l'exécution, je vais vous mettre exécute le nom de la procédure où on a traité les variables. Donc, le coût de variable, c'est la valeur d'IA là. Okay. La quinte numérique, mais cette quinte, ça met des apostrophes. La quinte, ça va être la chaîne de caractères, ça s'amène les apostrophes. Alors, exécute, vous voyez, exécute le nom de la procédure où tu as des variables, tu as affecté les données. L'exécution de la procédure, c'est exécute. Exécute, là, c'est, je l'écris bien sûr en français. Alors, exécute. Le nom de la procédure. Par la suite. Là, je vais me trouver sur les variables. Pcode égale, tiens, c'est le premier code, par exemple, le 100. Un petit peu le arroba prénom égale, tiens, je prends mon nom. Et prénom. Égal salaire. Et arroba et salaire égal et dans salaire avec la colonne numérique c'est 2500. Alors je vais exécuter. Maintenant je dois retourner pour voir. Alors là, je pense que j'ai déjà respecté, sauf là, je dois mettre ici une première virgule pour terminer, OK? Pour clôturer. Alors, le cas des valeurs qui contient la virgule, c'est préférable de mettre le point. La fin, dans cette paragraphe, parce qu'on a la virgule, virgule, virgule. La fin, c'est point, point, virgule. Et là, je vais mettre le point, virgule, là. Et je sélectionne, puis j'exécute. Maintenant, pour contrôler, ça me select, commande select étoile from étudiant. Sélectionner.
continue d'exécuter. Très bien, la gérée aussi, bien sûr, a créé une procédure stockée qui permet d'ajouter des informations à une table. À bientôt.